Très belle affiche pour la cinquième journée de la Ligue des Champions entre le FC Bayern et le Paris Saint-Germain. Première opportunité pour le club allemand avec le tir de Jamal Musiala repoussé par Matvei Safonov. Début de match très disputé avec beaucoup de combats et de duels. Les Parisiens répondent à la demi-heure avec Ousmane Dembélé. C'est sauvé par Neuer, l'action n'est pas terminée. João Neves pour la reprise. Il vient de marquer d'une superbe volée contre Toulouse en Ligue 1. Pourquoi pas en Ligue des Champions, mais ça passe à côté. Le Bayern ouvre le score à la 38e minute. Kim Min-jae est en embuscade pour mettre la balle au fond. Et le club allemand mène 1-0 à la mi-temps. Au retour du vestiaire, les Parisiens attaquent, affichent un visage encore plus offensif. Ousmane Dembélé a déjà pris un premier carton jaune. Il en prend un deuxième après 10 minutes en seconde période. Jugement un petit peu sévère de l'arbitre roumain István Kovács. Et pourtant Dembélé est exclu. Paris joue à 10 et subit cette occasion énorme de Musiala. Mais Safonov sauve. C'est bien le gardien russe qui intervient pour mettre la balle sur le poteau. Les Parisiens, même à 10, sont magnifiques d'abnégation et y croient jusqu'au bout avec ce coup franc. Le ballon revient sur João Neves. C'est la dernière chance parisienne, ça passe au-dessus. Pas d'égalisation malheureusement, les Parisiens se sont bien battus. Mais c'est le Bayern qui s'impose 1-0 dans cette rencontre.